cyclo-cross départemental, c'est l'événement où il y a le plus de participants. Donc généralement, il y a 1200 participants. Cette année, avec les conditions Covid, il y a une petite restriction. Ils sont autour de 800. Mais c'est un cross, c'est vraiment l'événement phare de l'année au niveau de l'UNSS. Okay. Et c'est tous les ans. Et les gagnants vont après faire cross régional pour ensuite pouvoir aller faire cross national. Au niveau du lycée, on a voilà, un entraînement qui se fait un petit peu les mercredis quand on n'a pas de compétition. Donc l'idée, bah, c'est que les élèves voilà, ils sont entraînés sur la course du VTT parce qu'ils font aussi pas mal de run and bike et puis la course d'orientation.